t'appelle Emily, oui, je t'ai reconnue. Tu t'appelles Emily, oui, je t'ai aperçue. Avec un bonnet rouge, avec une robe rouge et des souliers rouges, je t'ai vue. Tu t'appelles Emily. Emily et le bébé neige. Exagère quand même. On l'a déjà réparé hier. Mais on va le refaire encore plus beau. Oui. Et hop, on lui remet ses bras. Regarde, Arthur. Et moi, je lui pose son nez. Et voilà. Comme ça, tu es redevenu un vrai bonhomme de neige. Et vive notre bonhomme tout neuf. Mais il est devenu tout petit. C'est un bébé de neige. Normal. Le soleil fait fondre la neige. Alors le bonhomme de neige lui aussi va fondre et devenir de plus en plus petit. Quoi? T'as entendu, Arthur? Ben oui, quand le soleil chauffe et fait fondre la neige, ça veut dire que le printemps arrive. Pas d'accord. Un copain, c'est un copain. Et un copain, ça ne fond pas. Hé, si on mettait le bébé de neige dans le réfrigérateur. Mais tu dis n'importe quoi. Ah non, c'est une très bonne idée. Il sera bien au froid. Et moi, je lui ferai un doudou boule de neige. Allez, on le transporte dans le chariot. Oui. Attention. Le bébé de neige s'est écroulé tout seul. Alors, peut-être qu'il voulait rester dehors. Oh, une petite fleur. Ah, vous voyez, le printemps arrive. Youpi. C'est le printemps. Au revoir, bonhomme de neige. À l'année prochaine.